Coucou mes abonnés, donc voilà. Alors, des fois c'est le SAMU, des fois c'est le pompier. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas très bien, bon, je ne dirais pas qui. Il y a quelqu'un qui n'est pas très bien, donc ils ont appelé les pompiers. Donc ils étaient trois là, ils sont trois. Et ce que moi je voudrais dire à tout le monde, quand vous arrivez, voilà, pourquoi? Parce que je sais, vous ne le faites pas exprès. Vous ne vous faites pas exprès. Mais souvent, là ça va, il n'y a pas de voiture devant. Souvent, je vous explique. Pensez-y. Je vous demande juste de penser que quand vous arrivez devant un immeuble, alors peut-être qu'il y avait une voiture avant, je ne sais pas. Mais souvent, les gens se garent là, devant les immeubles. D'accord? Donc là, il y a une voiture ici. Là, ce n'est pas plein. Ce n'est pas plein. Vous voyez, c'est vide. Ce n'est pas plein. Voilà, mais souvent quand c'est plein, parce qu'il y a les médecins, tout ça, il y a des voitures tout le long ici. Tout le long. Alors que parfois, ils peuvent se garer derrière l'immeuble. Derrière l'immeuble. Voilà, ils peuvent se garer derrière la voiture aussi. Vous voyez? Je veux dire, on peut trouver une place pour se garer. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de ne pas se garer là, ici, devant. Ça, je vous le demande à tout le monde. Pourquoi? Parce que quand il y a des urgences, il y a des pompiers ou le SAMU qui arrivent et qu'ils ont le brancard à sortir, d'accord? Vous imaginez quand il y a toutes les voitures là devant des immeubles, comment ils font avec le brancard pour essayer d'essayer de lever le brancard, de passer entre les deux voitures? Je sais que vous ne le faites pas exprès, je le sais, je vous engueule pas, je vous engueule pas. Je demande juste que tout le monde réfléchisse à cela. Parce que souvent, il arrive que malheureusement, il y a des voitures qui sont garées partout. Et que il faut, pour moi, il faut toujours laisser la place là devant, comme là c'est fait. Voilà. Et là, les pompiers ont pu se garer. Ils auraient pu se garer devant la voiture s'il y avait une voiture ici. Ce que je veux dire par là, il faut toujours laisser la place devant l'immeuble. Au cas où qu'il y a le SAMU qui arrive, qu'il y a les pompiers, parce qu'ils doivent sortir le brancard et pouvoir passer là. Au milieu comme ça, voyez, et hop, arrivé. Pensez-y. Voilà, je demande ça vraiment, vraiment à tout le monde de se dire, ah non, je dois pas me garer devant les meubles au cas où que s'il y a un SAMU ou il y a le pompier, les pompiers qui arrivent. C'est la seule chose que je demande. Voilà, pensez-y. Et je vous remercie. Au revoir.